Bonjour et bienvenue dans l'actu de la team Javras. Dans cette émission, aujourd'hui, nous allons parler des bons gens, les gens qui nous financent sur Tipeee et Patreon. On va déjà les remercier en premier lieu. On va parler de nos prochaines sorties, ce qui est en cours d'élaboration, ce qui va bientôt sortir. On va parler aussi de ce qu'on fait dans l'ombre, ce que vous ne savez pas encore totalement. On va vous parler de l'agenda aujourd'hui, où est-ce que vous allez pouvoir nous retrouver prochainement, où est-ce qu'on pourra se voir. Et vous êtes dans la toute première émission de l'actu du mois, c'est un mardi sur deux sur Twitch. Et je suis Reschultz, et c'est moi qui vais vous compter un petit peu cette première émission. C'est parti. Ah oui, vous ne le voyez pas, mais il y a des gens ici avec moi qui sont là. Bonjour les gens. N'hésitez pas à dire bonjour pendant cette petite émission. C'est parti, on va parler des jambons. Dans les jambons, ils nous ont financés, et c'est grâce à eux si on existe. C'est grâce à eux que la team Javras est ainsi, c'est grâce à eux qu'on est disponible gratuitement partout. Alors un grand merci à Ekaterina. Ah putain, j'ai 40 secondes pour dire tout ça, c'est parti. Ekaterina, Meringue à l'Orange, Nicolas S, Miyakus, Mr. Badger, Sashiro, Iwake, Halloween, Purple Peignoir, Monololo, Zenigata, Yoti, Lucas D, Laurent Doucet, Thomas Zus, JPPJ, Flaming Fox, Yoann Laurent, ACI, Coralie Bouteloup, Grémy, Nana, Jeff, Benjamin Bedu, Mélina, Cécilius, Gridette, Dugo Elan, Gary, Ilia Vlad, Emilien Mazé, Yuri Charbonnel, Mineroll, Yann, Léo Whitelighter, Gandalf, H2O, Gaelicly, Richou, Stan Le Gris, Lérian, Orchidée Choucroute, Thomas L, Jean-Marie Poincelet, Herminique Billan, Lindex, Elana, Miskami, Yuki, Ningario, Anya Kristen, Guillaume Capoué, Raven Erlay, Archer Milker, Melictri, Purple Peignoir, Goussan-CSFR, Daphmot, Gaxune, Marie-Homme, Salmorel, Clémency, Céocoline. Merci à vous, c'est grâce à vous qu'on existe. Vous êtes géniaux. On continue avec les prochaines sorties. Les prochaines sorties, et bien pour le coup, j'ai une petite minute pour vous dire les deux prochaines sorties. Ça fait un moment que je vous le dis, ça fait un moment que ça va bientôt sortir. Il me prend du temps, mais bon, normalement, peut-être fin de ce mois, peut-être le mois prochain, vous avez la sortie de... C'est par là. À tour de rôle, épisode 4. Pour le coup, il devait sortir en avril, ça m'a pris beaucoup de temps. Je vais vous expliquer pourquoi ça prend du temps juste après. Voilà. Un deuxième fichier qui devrait bientôt arriver. Il est déjà sorti officiellement, mais va ressortir dans une version un peu remastered, puisque en gros le projet a changé. Au début c'était un mono MP3, maintenant c'est une saga MP3, c'est fait par Mineroll et Yananas. Ne vous fiez pas à la pochette, c'est un croquis, c'est fait par une IA et on est en cours d'élaboration avec un illustrateur ou une illustratrice, c'est l'inspecteur des facs. Une petite saga MP3 un peu humoristique. Si vous l'écoutez, la V1, c'est disponible sur YouTube. Et maintenant, on va passer à quoi de news. Quoi de news? Bah écoutez, je trouve que cette émission, déjà, elle est un peu pas mal léchée. Merci aux gens qui sont présents. Merci à Mineroll, Kokiria, Steam Javras, Perlette77, Gandalf, qui j'ai oublié, Décibel et moi-même d'être présents sur cette émission. Normalement, prochainement, dans Quad News, on pourra mettre des questions du public, des questions que vous pourrez mettre sur YouTube, donc dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre vos questions. Concernant à tour de rôle, je vous ai dit que je vous en parlerai un petit peu. Pourquoi ça a pris autant de temps? Parce qu'en fait, mes acteurs m'ont demandé d'écrire toute la campagne, c'est-à-dire que là, on est à peu près à la moitié, on est à l'épisode 4, l'épisode 4 va sortir, on a enregistré le 5 et le 6, et là, on est en train... En fait, ils m'ont demandé d'écrire la moitié restante, donc... Pour le coup, j'ai écrit avec Thorac le 7, 8, 9, 10, 11, 12 et on enregistre ça tout d'un coup dans une prochaine session le 10 août. C'est chaud quand même cette émission. On passe à l'agenda. Alors dans l'agenda, voyons voir, quand est-ce qu'on pourra se voir la prochaine fois? Eh bien la prochaine fois, comme vous pouvez voir sur le site, on descend, puisque sur le site vous avez tout en bas les prochaines conventions. On a Art2Play qui vient de nous valider notre présence, on va avoir un stand pour les deux jours de Art2Play à Nantes, ça sera le 18 et le 19 novembre. Vous pourrez venir nous voir, nous rencontrer, pour l'instant en personne sur le stand, il y aura moi et Melitric, potentiellement on est 5 comme d'habitude, donc plus tard...
on vous indiquera qui y aura. L'année dernière, c'était trop cool. En fait, on avait fait des sessions d'enregistrement de figuration pour un tour de rôle. Si vous avez participé, potentiellement, vous serez dans l'épisode 4 qui va sortir. Potentiellement, puisque j'ai eu plein d'enregistrements. Bref, là, pour cette année, on refera des sessions et il y aura plus de voix possibles, il y aura plus de choix possibles, puisque on a enregistré toute la saison 1. Donc, vous aurez normalement plus de choix pour apparaître. Voilà, c'est à peu près tout pour l'agenda. On en reparle la prochaine fois. Oui, R2Play, vous pouvez être sûr que je serai là. Et donc, on finit l'actu tout de suite. Merci à vous d'avoir été présents. Merci à vous d'avoir pris ce temps de regarder un petit peu ce qui se passait. N'hésitez pas à nous suivre sur Insta, Facebook, ce que vous voulez. Ça nous aide beaucoup, ça vous coûte rien. Et nous, ça nous met en valeur pour les conventions et même les gens qui veulent nous aider ou faire des projets avec nous. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee et Patreon. 1€, c'est rien pour vous. Mais pour nous, ça change tout. Ça veut dire beaucoup. Des bisous. Merci au chat. Merci à tous. À plus.